Le notaire, un officier public assermenté qui a pour mission d'assurer l'authenticité du service public. D'abord, homme de droit, il est aussi homme de l'écrit et des contrats, d'où son importance dans la société. C'est un agent, n'est-ce pas, qui intervient généralement dans les transactions liées au patrimoine. Mais spécialise généralement dans les ventes et achats d'immeubles. Il a la mission, n'est-ce pas, d'authentifier toutes les transactions qui se passent devant lui. Il a la qualité de conseiller. Donc, pour conseiller quelqu'un, il faut toi-même être en paix avec toi pour pouvoir donner des conseils, n'est-ce pas, idoines par rapport aux situations, n'est-ce pas, qui se présentent devant soi. L'activité du notaire concerne plusieurs domaines, entre autres la résolution des conséquences du divorce, du partage des biens des héritiers. Mais la profession de notaire essuie des critiques qui entachent sa crédibilité. Les notaires n'ont pas forcément bonne presse parce que souvent ils donnent de la magouille et au lieu de créer, du moins, de régler des problèmes, ça crée des divisions. On a des confrères, lorsqu'on leur dépose des fonds, qui ne reversent pas ces fonds. Et donc on peut se retrouver inévitablement devant les tribunaux. Accusé à tort ou à raison, le secteur du notariat devrait redevenir un métier de prestige et de confiance. À cet effet se tiennent les 20 et 21 janvier à Grand Bassam, les états généraux du notariat avec pour thème le notaire et la sécurité de ses clients.